allez bien et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing AliExpress plus Amazon. Oui, c'est les décors de l'été encore parce que je tourne, on est aujourd'hui le 12 septembre. Voilà, je tourne les unboxings que au mois de septembre. Là, ces temps-ci parce que je dois recevoir des colis que je dois expédier ensuite. Donc, c'est pour ça que j'ouvre assez rapidement. Voilà, comme d'habitude, je vais te mettre l'image du site plus le prix. Quand est-ce que je l'ai commandé? Je te dis à voix haute. Quand est-ce que je l'ai reçu? Cette fois-ci, j'ai ouvert déjà, pré-ouvert déjà tous les colis pour que ce soit plus rapide. Et puis voilà, je rappelle aussi que je ne paye aucun frais de port parce que je coche livraison gratuite plus prix croissant, comme ça je paye au moins cher parce qu'il y a certains vendeurs qui vendent le même produit plus ou moins cher. Voilà, bref, je commence avec un colis que j'ai reçu le 9 septembre et tu vois qu'il a coûté 51 centimes. Et c'est une planche de petits tatouages de fleurs de cerisier, on dirait un petit peu. Voilà, des petits tatous comme ça. J'ai pris trois plaquettes exactement pareilles, mais à des prix différents pour voir si c'était la même chose ou pas. Et je peux te dire que oui, voilà. Donc ça sert à rien de payer plus cher, autant le payer le moins cher possible. Alors, je continue avec un colis que j'ai reçu. Du coup, quand est-ce que je l'ai reçu? Celui-là, je l'ai même pas marqué. Bravo, je te mettrai ici hein, de toute façon. Et du coup, c'est une petite pince, voilà, comme ceci, c'est pas pour moi, c'est pour ma belle-sœur Albertine. Donc voilà Albertine, ta pince est arrivée, mais de toute façon je pense que je te l'aurais donnée. C'est avec un petit papillon, voilà, avec des petits strass, nickel, hop, des petits crochets comme ça, donc nickel. Voilà pour ça, je continue, ouais ça va vite, peut-être qu'il y aura une deuxième partie à cette vidéo. Là, c'est un colis que j'ai reçu le 10 septembre. Ça m'avait coûté 3,98€. Et ça, c'est pour une de mes meilleures amies, Enora. C'est un lot de sacs, plus pochettes, plus portefeuilles, je crois. Attends. Alors, du coup, voici comment est le sac. Alors, attends. Même moi, il faut que je sache comment... Ah ouais, d'accord. C'est avec une petite brique comme ça. Voilà, on peut mettre sans doute une petite chaînette ici. Pour le porter différemment, à l'intérieur, hop, il y a des choses, hein, comme tu peux le voir. À l'intérieur, c'est comme ceci, c'est une poche comme ça. Il n'y a pas de petite pochette sur le côté. Non, 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 il n'y a rien. Il y a aussi avec ça un portefeuille, enfin une grosse poche, quoi, comme ça, là. Où tu peux mettre quand même pas mal de petites choses. Et avec ceci, ah ouais, c'est un porte-carte en fait, regarde-moi ça. Tu peux mettre quelques petites cartes là-dedans et du coup, hop, ça se ferme comme ceci. C'est en style un peu faux cuir quoi, tout en rouge. Et avec ça, on a encore une petite pochette comme ça, voilà, où on peut mettre des petits sous là-dedans quoi. Et du coup, la lanière comme ça qu'on peut accrocher sur le sac, sur le côté ici, voilà. Donc tout ça, ça avait coûté seulement 3,98€ pour un lot comme ça. Donc je pense qu'elle va être contente. Allez, je continue parce que j'ai peut-être pas beaucoup de place dans ma carte mémoire. Bref, c'est un colis que j'ai reçu le 10 septembre. Ça avait coûté 5,43€. Et ce sont deux petits sacs comme ça que j'avais acheté pour le concours qui était au mois de septembre, hein, voilà. Alors, il y a un noir et il y a un rouge bordeaux comme ça, hyper joli, avec une petite chaînette en style or. Je vais en déballer un pour te faire voir. Voilà. Alors, la petite chaînette est comme ceci, très jolie. Après, voilà, hein, c'est pour le prix... Là, on a les petits crochets qui doivent s'accrocher sur chaque côté du petit sac. Voilà, je pense que ça doit faire arriver au niveau de la hanche. Ça doit être très très beau. Voilà comment est le petit sac. Hop, pour l'ouvrir. Oui, c'est ça. Hop, voilà. C'est très très joli. Alors, pour le refermer, donc il faut bien le remettre. Voilà. Voilà, pour le noir qui est comme ça, avec la petite chaînette. Et du coup, là, je vais juste te faire voir la couleur du sac, qui est du coup celui-ci, comme ceci. Un rouge bordeaux, voilà, un rouge un peu foncé. Donc voilà pour ces petits sacs qui m'avaient coûté, du coup, je sais plus trop combien, 2€ et quelques chacun, je crois. Je continue avec un colis que j'ai reçu le 5 septembre, le jour de l'anniversaire de ma petite sœur Erel. Alors, il s'agit de
Il s'agit de quoi? Ah oui! Il s'agit de petits t-shirts en satin que j'ai commandé. C'était 87 centimes chaque. Et du coup, je me suis fait plaisir. Hein. J'ai pris toutes les couleurs qui me plaisaient. Du coup, j'ai pris un genre de or comme ça. J'ai pris tout en taille S. Un bleu comme ceci. Un vert. Ah, il est trop beau celui-là. Et je l'ai pris en noir. Le blanc aussi, je l'ai pris, mais je l'ai pris après. Donc, je pense qu'il va arriver bientôt, quoi. J'ai tout pris en taille S. De toute façon, je pense que je te mettrai l'essayage de tous mes t-shirts ici, là. Je vais en déballer un juste pour... juste pour qu'on voit ensemble ce que ça donne au niveau de la qualité. Alors, voilà comment ils sont. Donc, ce sont des tout petits débardeurs tout simples. Voilà. Donc, ça... ouais, voilà. Tu vois, ça... quand tu le mets, ça donne un petit effet ici au niveau du décolleté que je pense que ça fera très, très joli. Je l'espère en tout cas parce que j'ai pris quand même pratiquement tous les modèles. Mais j'adore la couleur et le petit côté satin comme ça. Ça sera très bien pour l'été prochain hein, parce que là franchement je peux pas les mettre. Non mais c'est pas possible, regarde-moi ça. C'est moche. C'est aucune forme. C'est... ah oui, de derrière, oui ça fait joli comme ça. J'ai dû resserrer parce que sinon vous voyez tout ici. Mais c'est pas possible. Regarde-moi ça. On achète ça que si on veut avoir le tissu quoi. 87 centimes pour du tissu quoi, comme ça. Mais sinon, je vais te faire montrer les autres couleurs. Mais franchement, c'est pas... voilà. Je recommande pas du tout. C'est naze. Regarde-moi ça. C'est nul. Oui, j'ai aussi reçu le blanc entre temps. Et regarde-moi ça. Ça, celui-là, il n'est pas du tout réglé. Alors, tu vois qu'il y a un sérieux problème, quoi. Voilà. Là. Donc, voilà pour toutes les couleurs. Je continue avec un colis que j'ai reçu le 7 septembre. Ça avait coûté 2,65€. Du coup, il s'agit encore d'un petit sac qui était en proposition pour le concours, voilà. Hop, je le déballe gentiment et voilà à quoi il ressemble ce petit sac. Ma foi, il est très très mignon, voilà, juste avec la petite pression. Alors, on a la petite cordelette, bien sûr. Oui, ça se noue comme une cordelette, il n'y a pas de, petit, de petites choses. Donc on noue ça sur les côtés pour mettre la bonne dimension pour que ça arrive à la hanche ou comme on veut quoi. Donc voilà pour ce petit sac. Ouais, ça va très vite, c'est très bien comme ça que je les pré-ouvre je trouve. Dis-moi si tu es d'accord ou pas. Du coup là, colis que j'ai reçu le 10 septembre, ça avait coûté 2,63€. Je suis un peu expéditif, désolée. Ah, c'est le petit sac que j'ai commandé pour ma petite sœur Nono. Le petit sac que j'avais moi aussi en rouge comme ça. Pourquoi celui-là, il a l'air plus grand? Il a l'air plus grand celui-là. Ah, quoique non. En tout cas, tout est déjà préparé parce que moi, j'ai dû mettre le foulard et tout ça. Mais là, tout est fait, tout est nickel. Le petit... enfin, tout est déjà bien mis. Hein. C'est un petit sac comme ça avec une poche. Ici, le petit foulard qui fait tout le tour, très très joli. Et ça, on peut le porter soit en sac, sac à main normal ou soit en bandoulière. Moi, je le porte en bandoulière et du coup, c'est juste nickel. Ma petite sœur va être trop, trop contente. Et du coup, je termine cette première partie avec un colis qui vient de Amazon cette fois-ci. Et c'est un cadeau colis du concours. Voilà, je vais pas pouvoir le déballer, mais je te mets une photo ici. En fait, ce sont des bombes de bain, voilà, que Caprice de Pamela a choisi parce que c'est elle qui avait gagné mon concours des 500 abonnés, l'une des gagnantes parce qu'il y en a eu 3. Du coup j'étais trop contente et voilà ce que Pamela a choisi. Donc ce sont des jolies bombes de bain et comme ça de là je sens que ça sent bon et je trouvais trop mignon. Il y a marqué Little Box of Love, voilà la petite box de l'amour. Et ben j'espère qu'en tout cas elle sera contente parce que
Franchement, le petit paquet est juste trop trop joli. Donc voilà pour cette première partie. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. On se retrouve du coup pour la deuxième petite partie. En fait, j'avais fini de filmer tout ça. J'ai été voir dans ma boîte aux lettres et j'avais un colis en fait. Et j'avais en fait un deuxième colis que j'avais laissé dans mon salon parce qu'il est hyper gros. Regarde-moi ça. Voilà. Hop. Et ça, bah, je te mets tout de suite quand est-ce que je l'ai commandé, hein, et quand est-ce que je l'ai reçu. Je l'ai reçu en premium, donc genre en un ou deux jours. Et il s'agit de ceci. C'est une draisienne pour enfants. Je l'ai acheté pour mon filleul Milo qui va avoir son anniversaire le 20 septembre. Voilà. Donc ça, c'est à partir de 1 an jusqu'à 3 ans. Donc voilà, j'espère que ça lui plaira. Donc je vais pas l'ouvrir hein, forcément parce que je vais l'offrir, donc je vais l'emballer et tout ça. Mais par contre là j'ai un deuxième colis que ça j'ai reçu aujourd'hui le 12 septembre. Et donc je vais voir ça avec toi ce que c'est. Normalement c'est peut-être des lots de cadeaux que, oui c'est ça, que j'ai commandé pour celles qui ont gagné le concours au mois de septembre. Voilà, il y avait tout un joli panel de choses à sélectionner. Je te mets ici tout ce que j'avais sélectionné sur Amazon. C'était des jolies petites choses. Voilà, elles ont pu choisir toutes les trois celles qu'elles voulaient. Et donc ça, c'est un cadeau pour Claudine. Voilà, c'est ce qu'elle a choisi. Et j'ai acheté le même aussi pour ma petite sœur. Alors celui-là, je pense que c'est celui-là normalement pour ma petite sœur. Mais bon, je vais l'envoyer à Claudine peut-être avant, je ne sais pas trop. Je vais l'ouvrir, celui-là c'est de Becatcher et t'as vu ce que c'est? C'est un magnifique collier qui coûtait de base 129€ et je crois que je l'ai eu à 12,99€. Donc j'ai acheté celui-ci pour ma petite sœur et Claudine avait choisi le même, donc elle aura exactement le même. C'est hyper qualitatif en tout cas quand on voit la petite boîte comme ça. Et du coup voilà le bijou à l'intérieur. Regarde-moi ça, comment il est vraiment magnifique. Voilà, c'est... Bah, si de base il était vraiment à 129€, ça ne peut être que de l'excellente qualité, hein, je pense. Donc là, je déballe parce que je pense que celui-ci, je vais l'offrir à ma petite sœur. Je l'ai reçu en premium et c'est pareil, hein, celui à Claudine, je vais aussi le recevoir en premium. Alors, j'essaye... J'ai pas mon ciseau avec moi. Ah, c'est bon. Donc, hop, voilà. Donc, la petite chaînette hyper fine. Trop, trop jolie, voilà. Et du coup, le bijou comme ça. Voilà, hyper joli. Franchement, je suis ravie de la qualité. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment très, très joli. Et donc, du coup, hop, je remets ça dans sa petite boîte. Et voilà, c'est vraiment trop trop beau. Je pense que ma sœur va être contente et que Claudine va être contente aussi de ce collier. Je suis vraiment ravie. Donc voilà du coup pour cette unboxing AliExpress. Je pense que ça ira pour tous ces petits cadeaux là, voilà, pour tous ces lots. Je trouve que c'est bien plus simple quand j'ai déjà préouvert chaque colis, comme ça, ça va bien plus rapidement. Bref, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram, je te mets les liens en barre d'infos, à t'abonner toujours gratuitement en cliquant sur le bouton s'abonner qui ressemble à ça juste là en bas, et n'oublie pas la petite cloche de notification, ça te préviendra dès que je sortirai une nouvelle vidéo, voilà. Et quant à moi, je te fais comme d'habitude plein de gros bisous, porte-toi bien, à la prochaine, salut !